Bonjour mes passionnés, je viens vers vous aujourd'hui pour vous présenter mon nouveau partenariat. Donc je suis très heureuse donc de vous présenter ce partenariat avec la société Seven Great. Nous avons commencé notre collaboration le 1er février et je suis vraiment ravie de partager cette expérience avec vous. Donc tout a commencé le 1er février lorsque j'ai eu la chance d'être contactée par Seven Great sur mon mail via ma chaîne YouTube. Nous avons échangé et je sais que c'est le début d'une belle aventure. Le lendemain, le 2 février, Seven Great m'a proposé deux options. J'ai choisi l'option à 12 $ de produit et de créer une vidéo de déballage en zoomant pour prendre en gros plan les détails de chaque produit. J'ai visité le site et j'ai beaucoup aimé la diversité et la qualité de leur sélection. Le 6 février, j'ai reçu un email de confirmation m'annonçant que mon colis avait été expédié. L'efficacité et la rapidité dont on fait preuve Seven Great dans leur processus d'expédition sont vraiment remarquables. Et enfin, hier, le 13 février, j'ai eu le plaisir de recevoir mon colis et je suis vraiment impatiente de partager avec vous les produits que j'ai choisis. Donc je vais maintenant passer à la présentation donc du site et des produits ensuite. Donc voici le site Seven Great. Donc c'est www.sevengreat.com. Donc dessus vous avez des points de que du point de croix il me semble. Après vous pouvez faire donc des marque-pages, des têtes d'oreiller, des sacs en toile, des broderies en perles. Après vous avez les outils, donc certainement tout ce qui est les sacs pour ranger, les cadres de broderie, les aiguilles et ainsi de suite. Les toiles ou le matériel qui sont à moins 50%, donc actuellement il y en a une, c'est une Joy Sunday apparemment. Après vous avez tout ce qui est les toiles d'Halloween, voilà, les toiles de Noël, les toiles à partir de 3,99 €. Et puis vous pouvez même choisir à partir de 5 €, 10 €, 15 €, 20 €. Après vous avez vous pouvez choisir vos points de croix en fonction de ce que vous préférez. Donc si vous préférez du Harry Potter, des paysages avec les villes, cartoons, les animaux, les anges, les fleurs, tout ce qui est religion et inspiration, les mots et phrases, les enfants. Les enfants et les bébés, la famille, voilà. Après, vous avez donc dans les marques, vous avez la marque Mona Lisa, Jingley et Ichou. Vous avez aussi la marque Spring, la marque Joy Sunday. Après, vous avez les points de croix de grande taille. Voilà. Les best-sellers, donc en 11 CT, 14 CT, donc en point de croix estampé, et 11 CT, 14 CT en point de croix compté, et les nouveautés. Voilà. Donc si vous allez sur la page d'accueil, vous avez donc 5 $ pour les commandes de plus de 79 $. Si vous achetez 4 produits, vous en avez 5. Si vous achetez 5 produits, vous en avez 4, dont un gratuit. Ce sera toujours le moins cher de tous. Si vous en mettez 10 dans votre panier, vous en avez donc vous en payez 8 et vous en avez 2 gratuits. Il est toujours les moins chers. Voilà, donc là vous sur la page d'accueil, vous avez les nouvelles arrivées, les blind box. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. On va regarder. Voilà, c'est des mystery box apparemment que vous pouvez commander ou vous pouvez choisir la quantité que vous souhaitez et après c'est la surprise de ce qu'il y a dedans. Voilà. Après on va revenir donc au début, donc là les outils.
Après, ben voilà, les Joy Sunday, Spring, Mona Lisa. Après, voilà, un petit tour sur le site. Ils ont une série sur les dragons, très jolie. Voilà, sur les beautés, voilà. Holiday. Après, ils vous expliquent ce que c'est le point de croix, comment faire le point de croix. Et vous pouvez même vous inscrire à la newsletter pour avoir toutes les dernières nouvelles qui arrivent. Bon, ben maintenant, passons à la partie la plus excitante, la présentation des produits que j'ai choisis chez Seven Great. Donc, je recommence encore une fois cette partie de la vidéo puisque j'étais dérangée par le téléphone. Donc, j'ai commandé un petit accessoire qui est arrivé dans cette boîte. Et il s'agit donc d'un étui pour ranger les aiguilles, un étui aimanté. Donc là, vous avez l'aimant. Et quand vous mettez les aiguilles, ben, elles se retrouvent aimantées sur le truc. Comme ça, vous ne les perdez plus. Voilà, donc qui s'ouvre très facilement. Vous appuyez et vous soulevez le couvercle. Et après, vous le clipsez. Ensuite, on va passer à la grille, la première grille que j'ai choisie. Donc, c'est une grille. Donc, ce sont des flamants roses. Hop, je vais vous montrer de plus près. Un vitrail de flamants roses. Alors, attendez, peut-être qu'en zoomant comme ceci. Voilà. Donc, un vitrail de flamants roses. Désolée, voilà. Donc c'est une toile en 18 CT, en 20 cm par 20 cm, et elle fait 99 points par 99 points. Voilà, et elle a donc 28 couleurs. Le patron est très très petit. Je vais le signaler à Seven Great, hein, bien que ils en sont peut-être pas responsables totalement, mais je vais leur signaler que ben, pour du 18 CT, c'est quand même un peu petit comme patron. Mais bon, sinon, je vais moi aller dans le magasin où je vais, là, qui s'appelle Top Office, et je vais faire agrandir le patron. Voilà. Donc, je vous présente aussi la grille, donc qui est assez souple. Et voilà, qui est donc en point compté. Et voilà, qui est aussi donc surjeté. Et ben, ça va être bien pratique à broder avec les cases qui sont dessinées dessus. Voilà. Donc un petit projet bien sympa. Il y avait aussi les instructions pour le cross-stitch, donc qui explique comment on choisit les fils, comment on les dédouble. Comment on nettoie la toile, comment on la repasse, les différents points qui sont utilisés dans la broderie. Et voilà. Donc, ensuite, il y avait donc un toolkit. Alors, dans le toolkit, vous avez donc un enfil aiguille, une bague de protection, un petit pompon. Et sur le petit pompon, il y a. Je crois qu'il y a 5 aiguilles. Voilà, il y a 5 aiguilles. Il y a 5 aiguilles sur le pompon. Hop, attendez, hop. Voilà. 5 aiguilles de ce type. Voilà. Je vais la replanter dans le pompon pour pas la perdre. On va remettre ça dans le petit sachet. Hop. Et je vais vous présenter les couleurs. Désolée, hein, les couleurs sont un petit peu emmêlées. Voilà. Hop. Alors, on va présenter les premières couleurs. Donc voilà, de la couleur 1 à 18. Très jolie couleur. Et
de la couleur 19 à 28 avec des superbes roses, du bleu aussi, voilà, et du blanc. Donc ça doit être pour le fond, le blanc, mais bon, comme je sais pas si je ferai le fond, le tour, voilà. Donc voilà, ça c'était pour la première toile. Et ensuite, je vais vous présenter la deuxième toile. Alors, j'ai un peu dérogé à mes habitudes. Vous allez vite comprendre. Donc, j'ai pris cette toile. C'est des petits pandas mignons. Je les ai trop adorés, je les ai trouvés trop mignons. Donc, c'est une toile en 14 CT à broder en deux brins qui fait 28 cm par 13 cm. Voilà. Donc la grille se présente comme ceci. Donc la première partie, voilà, donc avec les 10 couleurs, voilà, il y a 10 couleurs de full stitch. Et voici la deuxième partie, voilà. Et il y aura 3 couleurs en 3 quarts de point et 2 couleurs de backstitch. Voilà. Et donc comme c'est du Joy Sunday ou du cross stitch, hein, nouvellement qui était racheté, la grille est très bien imprimée, très lisible par rapport à la précédente. Voilà. Ensuite, donc la toile, donc toile surjetée, et j'ai dérogé à la règle parce qu'elle était vraiment trop trop mignonne, elle me plaisait trop, je l'ai pris en estampé. Après, rien ne m'empêche de la laver et puis de la faire en point compté, hein. Mais je pense que je vais la garder comme ça parce que sinon ça va être... Enfin, je préfère, à la limite, voilà. Donc voilà la toile et je vous présente aussi les 10 coups. Alors... les deux aiguilles qui sont agrafées sur le filaire, sur la cartonnette avec les fils. Et je vous présente donc les 10 couleurs. Des noirs, des gris, des roses, rouge, du beige, du vert, du jaune, un petit rose saumonné et du blanc. Voilà. Donc... voilà, donc pour conclure cette vidéo, je suis ravie de vous annoncer que 7Grade vous offre un code promo exclusif de 6% pour tous les produits 7Grade. Ce code est valable en utilisation illimitée et a une validité permanente. Je tiens également à remercier chaleureusement la société 7Grade pour cette merveilleuse opportunité de collaboration. Et vous aurez toutes les informations dans la barre d'infos de la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire, à la partager. Enfin, faites comme vous voulez, je ne vous oblige à rien. Et de mon côté, je vais vous souhaiter une bonne journée. Bye bye !